Côté Pâques, c'est bientôt, bien entendu. Nous recevons Pascal Niaud, il est meilleur ouvrier de France, pâtissier, chocolatier. Il nous parlera de l'œuf. Et puis, aujourd'hui, vendredi, le jour de notre itinéraire touristique avec François Robotte, nous retrouvons la côte Pic des Livres avec l'ami Claude Gleyman. Et on commence tout de suite en musique avec la fanfare des Beaux-Arts. Voilà, dirigée par son chef, Octave Callot. Bonjour Octave. Voilà, c'est pour notre plus grand plaisir et j'espère pour le vôtre qu'ils ont décidé d'accomplir cette performance pour cette partie musicale d'émission. On va parler davantage avec eux. Tout de suite, je vous propose un premier titre. Allons-y. Smiles and Chuckles, un rag. Les Beaux-Arts. La fanfare des Beaux-Arts, Octave, c'est une... Excusez-moi, je ne voudrais pas quand même tirer la couverture, vous savez qu'il y en a plusieurs. Oui, mais vous avez assimilé les groupes de dissidents. Assimilé, c'est beaucoup dire. Disons que nous nous mariâmes avec Léon Malakai en 64. Nous sommes sœurs ennemies pendant de nombreuses années. Et puis, on a fait un mariage, ce qui fait mentir, comment s'appelait-il ce célèbre penseur, qui disait qu'il n'est pas de bon mariage, il est de bon mariage, il n'en est pas de délicieux. Voilà. Avec Malakai, ça fut tout autre chose. Je dirais que ça fanfare, parce que sinon les gens jaseraient. Il paraît que vous êtes le plus vieux fanfariste de France. Peut-être pas de France, mais de l'École des Beaux-Arts, encore sur pied et en exercice. Oui, quelles sont les qualités du fanfariste? Eh bien, il faut bien lever le coude, évidemment, oui. Pour tenir l'instrument. N'allez pas imaginer... Ah, pardon. Oui, bien sûr. Non. Éventuellement, oui. Aussi, oui. Aimer le cuivre, hein, avoir une santé de fer, oui. Résister à tout. Alors, est-ce que tous ces messieurs qui sont là, puis il y a même une dame, ça c'est complètement sympathique, vive les femmes. Madame, vous êtes une digne représentante dans la fanfare des Beaux-Arts. Est-ce que tous ces messieurs qui sont là sont des élèves des Beaux-Arts? Non, parce que voilà, nous appelons maintenant fanfare des Beaux-Arts, Octave Callot, des Beaux-Arts et autres lieux, parce que en fait, opérant dans l'art de bâtir, l'architecture, je n'en vois la guerre que trois. Oui, attendez, parlez dans votre microphone. Dans le microphone, ah oui.
Les autres, il y a des décorateurs. Allez, il y en a un qui nous a quittés. On les dénonce. Ouais. Alors, le beau Chaumette avec son trombone à coulisses. Bonjour, pardon, monsieur Chaumette. Le beau Chaumette. L'homme au banjo, il est parti parce qu'il était invité à déjeuner chez le prochain président de la République. Bon, enfin. Alors, donc, si vous voulez, c'était important, il n'a pas pu rester. Alors, il est décorateur aussi, mais il n'aime pas qu'on dise décorateur, il préfère architecte d'intérieur. Il se trouve décorateur, ça fait un peu pédé. Mais enfin, ça, moi, c'est lui qui dit ça. Moi, bon, alors écoutez... Il y a un assureur... Alors, c'est pas fini. Voilà, c'est pas vous fini. Vous allez me les passer... Non, parlons de la dame, il y a une dame, allons. Ah, bah, c'est précisément l'épouse du précédent. Ah bon, c'est-à-dire quand il n'est pas là, il envoie sa femme. Et qui a fait aussi des arts décoratifs, voyez-vous. Exactement. Qu'est-ce que il était là tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est, Octave, que ces instruments bizarres? Il y a quand même des instruments bizarres. Ah bah là, nous avons une grosse caisse, voyez-vous, avec une cymbale par-dessus. Oui. Là, une caisse claire. Oui. Ici, une trompinette, celle dont jouait Boris Vian. Ah, oui. Une trompinette à moustache qui est très rare. Oui. Derrière, un cornet à piston. Après, une contrebasse avant. Une contrebasse avant. Ici, une basse avant. Un euphonium. L'assureur est perfectionniste. D'accord. Oui. Et enfin. Un trombone à coulisses. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Je propose qu'on continue. Et ceci est une basse à piste. Voilà. Alors, vous allez rester avec nous. Hein. Vous retirez peut-être votre casque colonial. Oui, parce qu'il fait... y avait un peu de soleil, là. Oui, il fait un petit peu chaud. Mais on vous garde bien au frais, justement. Au frais. C'est ça, la télévision. Alors, les rafraîchissements arrivent. Ça, on va s'occuper de ça. Je trouve votre glace à la pistache pas terrible. Hein. Bon, je viens vous retrouver tout à l'heure. D'accord. Merci, messieurs. À tout de suite. On les retrouve, bien entendu. Ensuite, on va retourner vers la musique et la fanfare des Beaux-Arts. Hein? Vous êtes prêts, M. Callot? Voilà, c'est une deuxième morceau, une valse musette. Oui, exactement. Speranza perdida. Allons-y, la fanfare Octave Callot. Thank you.
Voilà, ils s'applaudissent eux-mêmes, c'est merveilleux. Octave, je voudrais dire une chose, c'est que vous êtes en train de préparer un disque. Oui, hein. Vous êtes exact. Venu tout à fait amicalement ici. Oui. Vous n'avez rien à vendre sinon votre talent, votre réputation. Mais il y a une chose qui m'intéresse également, c'est que vous allez participer à une réouverture le 12 avril. C'est exactement. Celle de l'Écluse, un voilà. cabaret qui nous est particulièrement cher. On salue Marc Chevalier. Et il va y avoir donc Mais une reprise. Qui a déménagé. Qui a déménagé. C'est l'Écluse Opéra. Et donc, vous participerez. Il y aura Georges Chelon et des tas d'autres vedettes. Voilà. Et c'est notre camarade toutoune Vincent Gély. Parlez donc avec le micro. Notre camarade voilà. toutoune alias Vincent Gély, oui. qui est organisateur de galas et qui organise des galas au profit des organisateurs de galas, comme chacun. Bien. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez le plus vieux fanfariste. Et vous fanfariste avez... d'école des Beaux-Arts, encore sur pied et en exercice. D'accord. Car je suis né le 19 août 1825, ce qui me fait, à très peu de choses près, 143 ans. Ah ben, je suis contente Pardon, pour vous. Pardon, chef, 153. Comment? Ce vieux crabe triche encore. Non, mais attendez, mais... En prêt, on va pas chicaner. Ah ben, moi, je suis contente, je trouve que vous faites beaucoup plus, dites-donc. Ah, oui. C'est plutôt bien. Mais qu'est-ce que... Non, vous avez des preuves, parce qu'il ne s'agit pas comme d'abuser le téléspectateur. J'ai un document d'époque, si vous voulez. C'est une carte postale qui a été prise en Côte d'Ivoire au siècle dernier, à Grand Bassam. J'étais à côté du ministre des colonies. C'est ça, c'est vous qui êtes complètement là au milieu. Voilà, légèrement à droite. Légèrement à droite. Ah, c'est... Voilà, monsieur le ministre est au milieu, vous êtes à droite. Exactement. D'accord. Et bien, qu'est-ce que vous faisiez là? Eh bien, moi, j'étais en mission photographique. Oui. Là, j'avais fait une petite tournée par le Niger, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, où je chassais le facochère retour. Oui. J'ai toujours gardé avec lui, on se souvient d'ailleurs. Mais dites donc, ça conserve bien la fanfare? Ah oui, c'est extraordinaire. Le cuivre, le pouvoir du cuivre, oh là là. Bon, on me dit que vous êtes aussi artiste à vos heures, l'auteur de certains aphorismes. Ah, on fait date oui. de ah, c'est exact, qui a été repris par mon camarade Rissé Barrier, oui. J'avais dit à cette vieille fripouille de Léon Malaquais, lorsque nous répétions, un peu après notre mariage, l'entrée des gladiateurs, il y avait quelque chose qui ne sonnait pas très bien. Alors je lui ai dit, mets-moi un mi dans le grave, t'auras du feutré. Voilà. Alors ça s'est resté, Rissé l'a repris, il l'a mis sur son Ça c'est le langage des musiciens entre eux. Vive les Beaux-Arts. Vraiment encore vous remercier. Je vous remettrai encore, je vous demanderai un petit morceau encore en fin d'émission. On va finir ah, ça de façon tout à fait. Ah, alors voici encore une autre preuve. Qu'est-ce que c'est que ça? Gala de l'école en 1865. Oui. Voyez-vous, et concours vous y... de fanfare. Et nous étions hors concours membres du jury, puisque déjà à l'époque nous avions une certaine notoriété. Bien, bah écoutez, voilà. Le succès ne se dément pas. Depuis l'époque. Merci à vous. Eh bien, Madame Annette, je suis très content. Madame Annette, ça fait un peu maison, mais ça vous va pas mal. C'était quand même le bon temps. Hein. Oui, écoutez, mon cher Octave, si vous le voulez bien, brisons là cet entretien, très momentanément. Je vous propose de retrouver notre envoyé spécial, d'accord. François Robotte. Et après, vous êtes... Nous, qu'est-ce que après vous... Après, on ira au musée. Ah très bien. Voilà, eh bien c'est déjà la fin de notre émission. Il me reste à vous souhaiter un très bon week-end de Pâques. Soyez très prudents si vous prenez la route. Et puis n'oubliez pas notre prochain rendez-vous qui est fixé bien sûr mardi. Ça y est, c'est reparti. Mardi avec Philippe Bachmann. Bonne fin de semaine à tous.